Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Kyrgyzstan. Je suis à l'aéroport de Bishkek et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on retourne à Istanbul. Je suis vraiment très content de retourner à Istanbul, c'est une ville que j'adore, vous avez pu voir dans plein de vidéos. La Turquie franchement c'est vraiment un pays coup de cœur. Donc du coup voilà, petit retour à Istanbul, ça fait plaisir. Non, par contre, tu filmes pas. Je m'en bats les couilles, clairement. Ouais, grave. Tu donnes ton avis, toi, s'en fout. Nous sommes enfin dans l'avion, même position qu'à l'aller. J'adore. Voilà, et là, on a. J'ai démêlé. Il est con, sérieux. Et donc. Tu as celui qui a démêlé, alors qu'il s'est branché. Bref, on a à peu près 5 heures de vol. Voilà, direction Quimper. Alors il y a quasiment un an, jour pour jour, j'étais ici et rappelez-vous, j'étais même en totale panique. Vite. Ça, c'est vraiment la course, ça, par contre. Faut pas déconner avec ce rendez-vous parce que sinon je pense que je me le pardonnerai jamais. Pourquoi la douane est aussi loin? Pourquoi? Vite. Deux avions, mais j'ai pas le temps, ça urge. Et urgence! Voilà, ça fait bizarre de revenir ici quasiment un an après. Ça fera d'ailleurs un an jour pour jour dans 5 jours. Donc voilà, c'est, franchement, ça se joue vraiment pas grand chose. Les amis, je suis très content. Pourquoi? Parce que je suis de retour dans ce magnifique pays qu'est la Turquie. Et alors, il faut que je vous raconte encore quelques petites anecdotes. En fait, à l'aéroport, il s'est passé 2-3 petites galères. Bon, alors vous avez vu, déjà j'ai remis mon masque parce que le masque est obligatoire en Turquie. Et alors, les petites galères, c'est qu'en fait, quand je suis passé à la douane, le douanier, pendant 20 minutes, il a gardé mon passeport, il arrêtait pas de regarder, il a appelé son collègue, tout ça. Mais apparemment, il doit peut-être avoir un problème, je sais pas, peut-être ma photo, parce que mon passeport a quasiment 10 ans, donc forcément, en 10 ans, j'ai changé de tête. Après, j'ai dû faire un test PCR. Alors là, ça a été la grande surprise, parce que je lui ai dit que j'avais mon passeport sanitaire. Il me fait, non, mais c'est quand même un test un petit peu aléatoire, donc forcément, c'est tombé sur moi. J'ai perdu encore 15-20 minutes, et comme j'ai perdu beaucoup de temps, je suis arrivé au tapis pour récupérer mon bagage parce que du coup j'ai un bagage vu que j'ai acheté pas mal de bricoles. Et en fait le tapis il y avait plus de bagage. Et du coup j'ai dû courir dans l'aéroport, j'ai dit ouais il est où mon bagage et tout ça. Et personne m'a dit bah il n'y a plus de bagage en provenance de Bishkek. J'ai dit putain ça y est, ils ont perdu mon bagage. Mais en fait pas du tout. Il était stocké à un endroit en fait avec 3, 4, 5 bagages. Et c'était en fait des bagages où comme moi je pense qu'il y a des gens qui ont dû perdre beaucoup de temps à l'immigration, au test de PCR. Donc du coup j'ai pu récupérer mon bagage. Donc, on a perdu quasiment une heure avec tout ça. Mais bon bref, c'est pas grave. Le plus important c'est que je suis en Turquie et je suis trop content. Et qu'est-ce qu'on fait en Turquie? On va manger. Alors, nous sommes dans un restaurant de Iskander. Iskander, c'est quoi? C'était sans doute ma révélation de 2020. Ah, c'est en fait de la viande avec du yogourt. C'est vraiment super bon. Je sais pas si vous, les anciens s'en rappellent peut-être que j'en parlais tout le temps en vidéo, j'en mangeais tout le temps. C'est vraiment un orgasme culinaire. Et donc, du coup, c'était la première chose à faire lors de notre retour à Istanbul, c'était de manger un Iskander. Ça fait un an qu'on attend ce moment. Je vais être vulgaire. Pète sa mère. Ça pète sa mère. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est trop bon. Du bon, du bon yogourt là. Hugo, t'en penses quoi? C'est trop bon, oui. Ah, avec des petits pains, c'est des plaisir. Yogourts, des petites tomates fraîches. C'est vrai que c'est incroyable. Je vous le souhaite à tous et à toutes un excellent appétit. Alors je sais plus si c'était dans la deuxième ou troisième vidéo, mais en fait avec Menor on a déjà été dans ce restaurant là. Et c'était la fameuse fois où il y avait la disqueuse derrière qui tournait que j'arrivais jamais à faire mes plans. Audrey, ça fait du bien aussi. La disqueuse aussi elle fait du bien. Allez c'est parti. Donc du coup voilà c'était vraiment très bon. Ça fait vraiment plaisir de manger un Iskander quasiment après un an d'attente. Et pour le prix on a eu, c'était 3,20€, c'est ça? Ouais, 3,40€. 3,40€, voilà, donc c'est tout à fait abordable. Le bidon est bien plein, mais pas assez. Je pense qu'après ça va repartir sur d'autres petits street food, d'autres petits trucs à manger, parce que là j'avais. C'est l'objectif de la journée, c'est vraiment la grande ligne de la bouffe à Istanbul. Et ça va faire mal. C'est un petit dessert au fromage. Alors, moi j'ai pas goûté la dernière fois, il me semble pas. Hein. Je crois pas, non, j'ai goûté, t'étais pas quand t'étais parti, il me semble. Donc c'est du fromage et c'est super chaud, super gras. Super... Je pense que c'est super bon. C'est gras, c'est bon. Ouais. C'est que oui, c'est belle définition. Franchement, ça me fait penser au Kuhn Yaman. Ah ouais?
Non, je pense que c'est le gras, c'est le beurre qui fait penser à ça. C'est bon, mais on dirait pain de cire. Ah, ah oui, je sais pas. C'est très quand même. Si, justement, je trouve, on dirait pas du fromage. En tout cas, c'est très bon. Eh ben, je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir mangé un Iskander. À quasiment un an que j'attendais ce jour-là. Là, ça fait vraiment du bien. Là, le programme, on va marcher tranquillement. Et en plus, le soleil commence à se coucher. Donc, je pense qu'on peut faire quelques beaux petits plans et quelques belles petites photos. C'est la première fois que je vois ça, une sorte de bateau de poubelle, c'est pas un camion poubelle, c'est un bateau de poubelle qui ramasse les ordures qui sont dans l'eau. Vraiment très très beau cette parcours. Je suis désolé, il y a pas mal de vent. Bon, c'est avec la tige du son, elle doit pas être terrible. Et voilà, petit retour dans le bazar de la ville d'Istanbul. Alors j'aime beaucoup ce bazar particulièrement parce qu'il est vraiment super bien décoré. Les couleurs un petit peu dorées comme ça, j'adore, j'avais pu faire de très belles photos l'année dernière. Alors Hugo, ça change de Bishkek avec le bazar. C'est un peu plus classe, on va dire. Ouais, c'est... j'adore celui-là. Franchement, c'est super beau. Belle décoration. Ah là là, un enfant. J'ai des étoiles dans les yeux. Et comme l'année dernière, j'ai acheté du thé, voilà. Et en fait, ils compriment le thé dans des petits sacs sous pression. Et du coup, c'est bien, ça protège bien pour les transports et tout. Donc du coup, voilà, j'ai pris deux sachets de thé. Apparemment, ça aide à relaxer, pour mieux dormir la nuit. J'en ai eu pour 9 euros à peu près, 9-10 euros. Donc c'est un petit peu cher, mais je pense que la qualité est vraiment bonne. Alors, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, là, le programme, c'est manger, manger et aussi boire. Donc du coup, j'ai pris un petit jus de grenade, 2 euros. Oh, goûte-moi ça. Oui, je sais, j'adore grenade. Goûte-moi ça. Super bon, ça me rappelle le voyage de l'année dernière. Continue. C'est bien acide, là, j'aime bien. Ah, oui, incroyable. 2 balles, franchement. Ah, oui. Avec les petits morceaux et tout à l'intérieur. Incroyable. Alors depuis notre retour à Istanbul avec Monor, en fait on est en mode nostalgie. On se dit par exemple, oh tu te rappelles cet endroit, on a fait telle photo, on a vu ci là-bas, enfin là. Et là en fait on a notre hôtel, voilà, on passe juste devant l'Albatros. Petite chambre avec plein de miroirs, tous les soirs je regardais des émissions en russe. C'était trop bien. Thank you. Fin de journée à Istanbul. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Nous sommes allés donc manger à Iskander. Après nous sommes allés voir la tour Galata. Nous avons descendu jusqu'au pont qui traverse le Bosphore, donc la partie Asie et la partie Europe. Après on s'est baladé tranquillement dans les deux bazars, donc le bazar aux épices et le grand bazar. Et là nous sommes dans un petit restaurant. Et donc je profite de ces belles lumières pour vous montrer la mosquée Sophia et la mosquée bleue qui est juste derrière Hugo. Et alors si jamais...
Et si jamais vous voulez en découvrir un petit peu plus sur la Turquie, je vous invite à voir mes 15 vidéos sur la Turquie qu'on a fait l'année dernière avec le fameux Bonor. Ah. La Turquie, on est fan, on adore. Yes. Je voulais trouver une rime, mais la avec, Turquie c'est trop joli. C'est comme Montréal, c'est de la balle. La Turquie c'est trop joli. Et donc, pour finir cette soirée à Istanbul, on part sur la traditionnelle chicha. Une chicha un petit peu plus traditionnelle, on va dire. Rustique, voilà. Authentique, classique. Baroque. À la fraise. Et je dois vous avouer un truc. Jusqu'à là, je refusais d'y croire, mais malheureusement, c'est une réalité. En fait, on reste qu'une demi-journée à Istanbul. Voilà. Demain matin, départ pour la France à 6h du matin. Donc autant dire que voilà, c'est vraiment un passage très très court à Istanbul. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. La nostalgie était vraiment là aujourd'hui. Hein. Chaque fois quand on repassait devant un truc, oh, on était là, ça. Et du coup, voilà, ce fut très court, mais de manière, comme je le disais, je vais y retourner. Un jour, je pense que je vais y retourner un mois, deux mois. Faut vraiment que je reste sur du long terme ici. C'est vraiment un pays que j'adore. Les gens sont trop cool, les paysages sont incroyables. La gastronomie est vraiment trop bonne. Enfin, de manière, la Turquie, depuis une manière, j'arrête pas de loin de ce pays. Il est vraiment trop bien. Donc, du coup, voilà, en fait, on a vraiment fait un petit passage éclair à Istanbul pour faire découvrir surtout Istanbul à Hugo. Iskander. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Petit bilan à chaud. Alors, Iskander ou Istanbul? Istanbul. Istanbul, j'ai trouvé ça vraiment cool. Non, c'était vraiment bien, bonne ambiance dans les rues. J'aime bien le côté historique, les vieilles rues, vieux bazar. Après, j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec les locaux, mais ils ont l'air sympas. Faut rester longtemps. Ouais, c'est ça. Faut rester longtemps. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ça me donne envie de visiter aussi. Parmi tous mes voyages, je pense que les Turcs, c'est les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés. Franchement, ouais. Dès qu'on sort une caméra en plus, ils veulent des photos, des vidéos et tout ça. Dans certains pays, ils n'ont pas trop envie. Et donc, tradition oblige, avec la petite chicha, on a le droit à ce magnifique chai avec ce verre en forme de tulipe, toujours. D'ailleurs, Monor l'a sur son bras. Et oui, la base. Je l'avais fait à Istanbul il y a un an pendant le voyage. Il est beau, hein? Ouais, ouais, franchement. Magnifique, ça donne envie de boire. Mais il y a des choses aussi. Toujours aussi bon. Les années passent, rien ne change. Toujours aussi bon. Et là, on a une petite ambiance très 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 cosy. J'aime beaucoup. Après cette petite chicha, là, il est 22h14. On se lève à peu près demain à 4h du matin, c'est ça? Ouais, on a encore une demi-heure de taxi, donc autant dire que la nuit, comme la nuit dernière, va être très courte, voire même plus courte. Ça va être compliqué, sachant que en plus, le surlendemain, ouais, surtout qu'en plus, le surlendemain, je reprends le travail. Ça va être marrant, passer un bon moment, je pense. Avec de la viande, de la salade, tomates. Comme d'habitude, c'est super bon. Petite bière pour faire passer le tout. Incroyable.
Cette transition est un petit peu brutale. Là, je suis de retour en France depuis maintenant quelques jours. Et alors, vous voulez sans doute savoir pourquoi je n'ai pas fait de conclusion directement en Turquie. Nous sommes rentrés en fait extrêmement tard de cette soirée à Istanbul. Il était à peu près 1h30 du matin. Et en fait, on devait se lever à 3h du matin. Donc, ça faisait moins de 3h pour dormir. Donc, ce qui était relativement court, un petit peu comme la nuit précédente. Et en fait, on était tellement claqués qu'on a dormi dans le taxi. Et dès qu'on est rentré dans l'hôtel, on est parti directement se coucher. Voilà, il n'y avait pas de conclusion. On était tous complètement KO. J'espère qu'en tout cas cette aventure au Kyrgyzstan et un petit peu à Istanbul vous a plu. Je tiens à remercier également tous les tipeurs qui ont participé à cette aventure. Je suis actuellement en train de regarder quelles photos je vais vous envoyer parce que là j'ai pris à peu près 390 photos donc il faut que j'en choisisse 3 parmi 390. Ce qui est un petit peu compliqué, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos photos que vous habitez en France ou même à l'étranger, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci également à tous ceux qui ont participé à l'aventure dans les commentaires, dans les likes, dans les partages de vidéos, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, vos retours sont à chaque fois incroyables, je prends toujours un réel plaisir à lire vos commentaires, à répondre. En tout cas, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions sur le Kyrgyzstan, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je vais faire une vidéo dans quelques jours, je pense. Une petite vidéo un petit peu bilan de ce voyage. Donc si vous avez des questions, des remarques, des petites analyses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça, je me ferai une joie de les répondre. Et d'ailleurs, là, c'est moi qui ai une petite question. Quel a été votre moment préféré durant ce voyage? Voilà. N'hésitez pas également à mettre en commentaire. Comme ça, au moins, ça me fera de la lecture. Et puis, ça peut être toujours intéressant d'avoir aussi également vos retours. En attendant, j'espère que cette aventure au Kyrgyzstan vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre également un petit like et un petit commentaire. Ça fait vraiment le forceur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment passé un super bon voyage avec Hugo et Monor. Quant à moi, je vais vous quitter. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut !